Bonjour tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc pour la partie 3 de Wildflower. Vous avez les deux parties qu'on a déjà fait, les deux vidéos précédentes pour vous présenter la démo du jeu, puisqu'il n'est pas encore sorti. Il sortira en 2022, mais on n'a pas de date précise. Donc vous avez les deux premières vidéos de présentation à la fin du Let's Play. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, le petit pouce en l'air pour plus de visibilité sur YouTube. Un petit commentaire, je vous répondrai tout le temps. Donc, on va aller arroser nos patates et après, on ira sous la trappe de mamie. Puisqu'on a pu voir dans l'épisode précédent que notre grand-mère était un peu mystérieuse. La nuit, elle va avec des gens mystérieux. Et on a appris qu'on était une sorcière en écoutant la conversation. Donc, on va aller voir la trappe sous le lit de mamie. Il est allé où la trappe? Ici. Hop, on y va. Okay, I definitely have more questions than answers now. Is that a cauldron? Not just any cauldron, your cauldron. What? Oh, no, I'm not a... Witch? Oh, my dear, yes, you are. No layperson could make a brew like that on her first try. I feel as spry as I did 50 years ago. This basement is your sanctum. You have your cauldron, of course. Wait, is that a witch or warlock or... Arthur? Oh, no. No, honeybee, he's more... conventional, I'm afraid. But I saw that spark of magic in your eyes the first time I held you. I've always known you would be an extraordinary witch. But the Coven needs proof before they'll accept you. Coven? Those folks in the woods, of course. They put a charm on the bramble wall, so you'll need a wand to open it. This is, kind of a lot to learn all at once. I understand, honeybee. When you're ready, read this incantation before the special silver willow in the woods. Then you'll have a branch to make your first wand. Alors, lire l'incantation que la grand-mère nous a donnée en nous tenant à proximité du sol argenté dans les bois, l'arbre qu'on a vu dans les épisodes précédents. Ok. Donc là, qu'est-ce que c'est? Grandma says this is my cauldron, but I better wait until I learn how to use it. Alors, il n'y a rien de particulier. Ici, on a un atelier. On pourra faire une distillerie et un mortier à piton. Il faudra découvrir d'autres objets petit à petit. Bon, allez, on remonte. On va aller arroser les pommes de terre, oui. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, des champignons. Montrer l'indice. Hop. Il s'agit du grand arbre de la forêt. Ok. Les patates pour tous. Quand elles auront poussé là-bas, ici. Le riz. Il faut qu'on aille acheter du riz. Et il faut qu'on ramène à Bruno les poissons qu'on a attrapés. Alors, on est parti. On saluera les villageois qu'on croise, hein, bien sûr. On va essayer d'aller sur la plage voir. On n'a pas vu encore le petit cabanon du dernier villageois qu'on a rencontré. Alors, sur la plage, des algues, il nous faut aussi. On peut pêcher encore, mais j'ai plus d'appât. Il faut d'abord que j'aille voir Bruno. Par contre, je ne vois pas pour les algues. Alors là, il y a des bananes. Hop. Des coquillages. Le petit chat. Hop. Il y en a. Petit câlin. Oh, look at the head scratches.
Ça monte doucement, hein. Va falloir le caresser souvent, je crois. Alors, des algues. Ici, il n'y en a pas. Ah, si, là. Une algue. Combien on veut? On veut 4. Oh my god. Ici, il y a quoi? Ah oui, le vieux phare. Alors ça c'est quoi? Hop. Hop. Ah, pas aimable est là. Alors on va lui parler. Hi, it's me again. I've been trying to help out my grandma, but I don't know much about farming at all. Yeah, like I said, not so easy. Hazel's got some of the best soil on the island. Shame for it to go to waste. Look, city girl, just water your plants and you'll do fine. Ok. Bon, on ramasse ici le coquillage. Par contre, les algues, à moins de les pêcher, peut-être. Là, il n'y a rien d'autre. Ah, il y a des petites... Bon, on ne peut pas les ramasser. On va aller voir par là-bas. Hop. Ça n'a pas l'air si facile de trouver des algues. Hein. Donc là, on peut pêcher. Là, c'est le petit... l'ancien bâtiment qui appartenait à notre grand-mère. Où il y avait les vaches, le poulailler, etc. Mais dont elle ne peut plus s'occuper. On peut rien faire. Le poulailler non plus. Je pense qu'il faudra qu'on ait le marteau pour pouvoir faire tout ça. Alors, est-ce qu'il faut le faire nous-mêmes ou pas? En tout cas, c'est compliqué pour les algues. Là, on ne peut pas y aller. Il y a un champignon, donc on va quand même hop, le ramasser. Et on va retourner à la ville. Pour voir le magasin de pêche pour lui dire ça y est, on a pêché nos 3 poissons. Et bien sûr, saluer les habitants. Hop. Si on en croise. Encore faut-il que je me rappelle où est le poissonnier. Hein. C'est pas gagné ça. Hop. Juliet told me you said hello to her. Thank you. That girl is so shy. Well, teenagers have a lot going through their heads. It's no wonder some of them deal by just not talking. Her father passing so unexpectedly hasn't helped. Ok. On va en profiter pour regarder ici. Hop. On va l'accepter. J'en ai trop pour l'instant, donc je ne peux pas la prendre. Alors ici. You know, there's quite a few of us who moved here from a city. Francis, Kim, Parker, and Messenger Cameron, of course. We're taking over. Ça monte plus vite avec les personnages du jeu plutôt que avec le chat. Hein. Alors, je ne sais plus où est le pêcheur. Hop, 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 c'est fermé. Ah, il est là. Wonderful. You got the look of a lifelong angler in your eyes now. Oh, now here's a real challenge. Catching a certain fish is about the right bait, the right place, and luck. I got a hankering for some nice fresh striped sea bass. They're ocean fish, so you gotta go to the beach. They might go for a worm, but you'll have better luck with this. In the future, you can keep bait fish you catch to try and hook bigger and more valuable fish. Come back when you caught one. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, il faut qu'on aille à l'arbre. Les patates, elles n'ont pas encore poussé. Il faut qu'on achète du riz. Alors, l'épicerie, je ne sais plus où aller. Hop. Là, ici. Ah, c'est fermé.
Ben, on va aller dans les bois. Il faudra acheter du riz. Il est 19h20. Évidemment, je me trompe de chemin. Il y a la petite. Hein. Est-ce qu'on peut lui parler? Oui. Fair warning, Mom might try to overload you with food. Feeding people is, well, like her love language. Ok. Il y a des personnages, ça monte beaucoup plus vite et d'autres beaucoup moins. On fait pas par là. Ne va pas la nuit dans la forêt. Et qu'est-ce que je fais? J'y vais, bien sûr. Hop, là, je crois que je me fous dans un cul-de-sac exact. Ouais, pourtant, la forêt, elle est bien indiquée par là. Je suis là, donc non, tout droit, c'est ça, hein. Je vais tout droit. Il va bien falloir se mémorer les lieux. Parce que ça va pas être si simple que ça. Alors, le grand arbre, il est où? Le petit chat, on va lui faire un câlinou. Alors, le grand arbre, c'est celui-là. Réciter une incantation pour avoir une baguette magique. The inscription says, if I be worthy, ancient tree, give a silver branch to me. Please. Wow. I mean, thanks, magic tree. Ok, on a la baguette. Il faudra qu'on la montre à notre grand-mère, d'accord. Les petits insectes, on n'a pas encore le filet, je pense. Par contre, les champignons, je n'en vois plus. Il faudra pêcher aussi sur la plage. Bon, alors, regarde avec ce minou. Est-ce qu'on peut... Je pense que tant qu'on l'a pas montré à la grand-mère, on peut pas. Hein, non, on peut pas interagir. Ouais, on va aller se coucher. Il y a un champignon là, mais je vois pas les rouges là comme on avait au départ. Peut-être attendre que ça repop, parce que là je n'en vois pas. On n'a quasiment rien fait là. On a juste fait la baguette magique. Hein. Parler à quelques habitants. Et la journée est déjà passée. Il faut aller au lit. À moins qu'on m'y mette de force. Je ne sais pas. Et j'ai absolument pas touché mon énergie. Hein. J'ai la barre à fond. 1h30 du matin, je pense que elle va se lever complètement fatiguée. Hop. Et voilà, exactement comme dans ma Time of Portia, pof, vous tombez
vous tombez net et ça vous met au lit. Donc une nouvelle journée se lève, c'est le vendredi. Elle est crevée. Oh good, you're up. The mayor's called a town meeting this morning. We should get down there and see what he's making a fuss about this time. Do you think it's some kind of trouble? Ah, I really hope not, but I guess we'll see. Lead the way, Grandma. Follow me. Allez, on suit notre grand-mère hein, qui marche pas très vite. Ouais, elle trottine quand même. Jusqu'à la mairie. Qu'est-ce que va nous annoncer le maire ? Vous voyez, plus on avance dans le jeu quand même, même si c'est la démo, plus on avance, plus il y a quand même énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de quêtes. On doit rendre service aux villageois. Tant qu'on n'a pas fini ce qu'on a en cours, on ne peut pas en accepter d'autres. Donc c'est assez restreint au niveau des quêtes, c'est bien fait. Settle down everyone, settle down. I've brought you together to discuss a very important matter. There have been very strange goings on. In our beloved town of Fairhaven, there is a force at work in our community, and I don't know who's responsible, but whoever they are, they don't have Fairhaven's best interests at heart. Oh, I don't like where this is going. Me neither. I've seen strange lights in the forest at night. Yeah, and folks in robes and masks wandering around after sunset. Yes, yes, good. You know exactly what I'm talking about. Wait, I'm sure there's a rational explanation for all this. No matter the cause, we must ensure our town doesn't become a home for rouseabouts and unsavory types. I ask all of you to keep a sharp eye out for signs of mischief. And if you see anything, report it to me. Or me, if you prefer. I'd hate for anyone in Fairhaven to feel fearful. I never. Mayor Otto, soft on business. Soft in the head is more like it. Idioto. Fancy Bridge's wife standing up there and casting judgment on others. Uh-oh. You're even madder than I thought. He can't just tell people to spy on their neighbors. To be so afraid that they distrust everyone around them. Maybe we could cast a goodwill spell to make everyone be nice to each other. I wish it were that simple. But just because you can solve a problem with magic doesn't mean you should. Thomas could use some help on his farm. I know he's got an order of beans due and he doesn't have enough plots going to make it in time. He's too proud to ask for help though. Here, take these seeds. They should be enough to make the order. Are these magic beans? Oh, heavens no. But if you've got the means to give them a boost, it certainly wouldn't hurt. Mamie veut que je fasse pousser des haricots verts pour aider Thomas à honorer une commande. Ok, on va lui parler quand même hein, au sujet de la baillette. Is your wand ready? Yes. Look, careful where you point that thing. Oh my, you have a lot to learn. It's time for you to meet the coven. Are you ready to go? Sure. Let's go. Okay. The brambles only allow friends of the coven through, so this incantation helps it to identify you. Once it meets you, it'll know you're a friend and let you through from now on. Say the spell when you're ready. Alors, lis l'incantation que Mamie t'a donnée en te tenant à proximité du mur de ronces dans les bois. Friend of the coven comes to you. Unravel your brambles and let me through. Oh, it worked! Well done. Now, let's head on up. Alors, qui y a-t-il derrière tout ça? Grandma, what is this place? Who are these people? Shh, you've got to be properly introduced.
approaches the sacred circle? I bring one who wishes to know the mysteries of this coven. Hi. Welcome, initiate. Elder Hazel has told us so much about you. I am the High Priestess of this coven. Before you can join us, you must vow to never reveal the location of our circle or the details of our rites to any others. Do you promise to abide by our covenants? Sure. I promise. I'm so excited that I'm a witch. This is going to be so much fun. About that, honeybee. You're not a witch. Not yet. First, you must cast the initiation rite. Oh, okay. But how do I do that? Speak to the Farseer over yonder. He will explain the art of incantations. Et voilà, on a fini la démo. Mais on peut, effectivement, pour après être sorcière, etc., et pouvoir continuer le jeu, et j'y reviendrai sûrement dessus à sa sortie. Donc, vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits Steam. Et on peut revenir, par exemple, au menu pour finir les quêtes qu'on n'a pas encore terminées. Donc, là, évidemment, c'est vous qui verrez. Vous me direz en retour en commentaire ce que vous avez pensé de cette démo. Donc je vous dis à peu près une heure de jeu, hein, puisque j'ai fait à peu près deux vidéos de 30 à 45 minutes. Donc en tout cas, moi j'adore. J'ai trouvé ce jeu super sympa, très kiwi. C'est pour ça que je vous l'ai présenté malgré mon problème d'élocution après l'opération. Donc j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Moi, j'ai trouvé ce jeu très sympa. Il y a énormément de choses à faire. On a encore plein de quêtes qu'on n'a pas fait. Donc là, j'ai avancé un petit peu plus vite. Par contre, si vous voulez vraiment l'avoir, il faudra attendre un petit peu. Mais en attendant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous allez y jouer? Comment vous avez trouvé les graphismes, l'histoire? Est-ce que ça vous hype ou pas? En tout cas, moi, oui. Je vous fais plein de bisous. Et j'espère que cette découverte vous aura plu. Allez, bye bye.